Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super bien. Alors, aujourd'hui, je reviens avec un nouveau vlog. Comme vous les aimez, nous sommes le jeudi 1er octobre. Et j'ai décidé de commencer ce vlog aujourd'hui parce que j'ai un peu pas mal de temps libre. Je finis à 18h30 aujourd'hui. Là, je m'apprête à aller taffer. Mais je suis déjà habillée. Je suis déjà prête. Je ne maquille plus du tout pour aller taffer parce que c'est pas la peine. Parce que je mets mon masque comme ça. Franchement, ça ne sert à rien. En fait, il est 10h15. Là, je m'apprêtais tout simplement à prendre mon petit déj à cette heure-ci. Et je vais juste prendre mes céréales là et aussi une mangue. Donc, je vais prendre ça et ensuite, je vais aller taffer. Je commence à midi et ensuite, j'irai faire quelques courses. Donc, restez jusqu'à la fin parce qu'il y aura un petit retour de course. Je voulais l'ouvrir avec vous, mais j'ai encore reçu un petit colis d'une fille que je suis sur Instagram et qui me suit aussi. Elle m'avait envoyé un t-shirt et là, elle m'a renvoyé un autre t-shirt. Mais cette fois-ci, oh, j'ai tout le temps mal au bras. Mais cette fois-ci, le t-shirt, en fait, il est plus différent. C'est plus pour le Black Lives Matter. Maintenant, c'est pour soutenir, en fait, le cancer du sein. Et je trouve ça vraiment intéressant de vous montrer. Là, je n'ai pas encore ouvert. En fait, je vais l'ouvrir avec vous tout de suite. Et bien sûr, je mettrai toujours en bas ses coordonnées. Elle m'a rien demandé, c'est juste que au cas où, si vous voulez soutenir aussi, je vous mettrai ça. C'est un t-shirt, c'est pour ça que ça tient là-dedans. Et je suis un peu fatiguée parce que je me suis réveillée à 6h20, donc c'est pour ça. Ah, elle m'a envoyé en blanc cette fois-ci. La dernière fois, c'est moi qui avais choisi la couleur, j'avais pris rose. Cette fois-ci, elle me l'a envoyé en blanc. Ah, voilà, elle m'a pris la taille LM, non L, parce que je voulais bien une taille L, et c'est moi qui ai choisi le motif. Et je vous mettrai toujours son site en barre d'infos, c'est Black People Slay, et je vous mettrai tout en barre d'infos. Je suis vraiment super contente. Et voici le petit t-shirt, je sais pas si vous voyez bien. Oh, il est trop beau, et c'est marqué Fight Like a Girl, bats-toi comme une fille, je crois que c'est ça hein, si je dis pas de bêtises. En tout cas, il est super beau. Je l'ai pris en taille L. Et j'aime beaucoup. Je suis trop fan. J'aime bien parce que du coup, c'est moi qui ai choisi le logo là comme ça. En fait, c'est pour lutter contre le cancer du sein. J'aime trop. En tout cas, merci de me l'avoir envoyé. C'est super gentil. J'adore. Et je vous mets toutes les infos en barre d'infos. Très logique. Et maintenant, je vais juste manger un peu. Et ensuite, j'irai... Ah non, putain, j'avais pas assez de lait, j'ai mis mes céréales, ça a ramolli. Bon, je vais vous laisser. Je vous reprends quand je vais faire mes courses. C'est mieux. À tout à l'heure. Comme vous pouvez le voir, je m'apprête à partir. Je vous ai même pas montré ma tenue, mais j'ai juste mis ce petit pull gris. Et là, j'ai juste mis, pour la tenue, j'ai juste mis ce petit jean de chez Bershka. Et j'ai mis un petit pull crop top comme ça de chez PLT. Et ça donne ça en gros. Et j'ai juste mis cette petite veste, ce petit manteau que j'avais acheté aussi sur PLT, je crois bien. Si je dis pas de bêtises. Et là, je m'apprête à y aller. Il fait super moche, mais il faut quand même que j'aille parce qu'il faut que je fasse mes courses. Là, je vais d'abord aller taffer parce que là, je pars de course. Mais je vais d'abord aller taffer et après course. Journée et ce vlog, attention, je pense qu'il sera sur plusieurs jours. Ça dépend, je sais pas encore, mais je pense que oui parce que demain, j'ai des rendez-vous aussi. Donc, ça sera sur plusieurs jours. Change a thing.
so fast and when you walk around, you walk around. Hey, hey, you say you love me when you are alone. J'ai clairement une sale gueule, mais les gars, je viens de finir de faire mes courses. Ok guys, je suis rentrée, je viens de juste d'arriver chez moi. J'ai dû porter mes courses dans les escaliers sans ascenseur, dernier étage. Alors, si je suis là pour faire le retour de course, parce que là, comme il y en a qui aiment beaucoup le retour de course et qui viennent toujours me dire sur Instagram, alors il faut savoir que déjà moi je fais mes courses au Lidl et je n'ai pas tout pris, il me manque quelques trucs, mais je vais déjà vous montrer ce que j'ai fait, ce que j'ai acheté. Alors déjà, j'ai complètement changé de céréales, de type de céréales. Maintenant, je prends cela. Super bon, même si le chocolat, c'est pas mon truc. J'aime beaucoup quand même. Alors, ensuite, j'ai pris deux bouteilles comme ça de Lipton parce qu'ils étaient en promotion. C'était un acheté et le deuxième était à moins 50%. J'ai chopé les deux. Déjà, il faut savoir que le Lipton, c'est j'adore, c'est mes préférés. J'ai pris des crevettes parce qu'il faut savoir que j'adore les crevettes. Du coup, j'en ai pris. Alors j'ai pris des champignons. Alors ça par contre j'ai pris parce que je dois retourner bosser tout de suite. Et je vais juste me faire ça rapide et le manger tout de suite. Mais d'habitude j'achète pas des trucs congelés comme ça, c'est pas trop mon type. J'ai pris des knackis, j'adore. J'ai pris deux blancs de poulet comme ça. J'ai pris de la crème fraîche léger. Alors j'ai pris quelque chose que j'ai pas l'habitude de prendre. J'ai pris des crèmes dessert au chocolat. Franchement le chocolat c'est pas trop mon truc. Ensuite encore une fois j'ai pris des mangues. Je sais, j'aime trop les mangues en fait. C'est toute ma vie, j'ai pris 5 mangues encore une fois. J'ai pris du maïs pour faire mes salades. Genre, moi maintenant je prends que des pâtes bio. J'ai pris quelques paquets comme ça de pâtes bio. Je vais pas tout vous montrer. Et j'en ai pris aussi des comme si. Et franchement, c'est beaucoup mieux. Je vous conseille de prendre des pâtes comme ça que de prendre des pâtes normaux. Et j'en ai pris aussi quelques paquets comme ça. Et quelques paquets comme ça. J'ai pris du steak haché pur bœuf. J'aime trop le steak, mais j'essaie vraiment d'éviter la viande. Du coup, j'ai quand même pris ça parce que j'en ai besoin. Et je ne peux pas éliminer la viande complètement comme ça. Ensuite, j'ai pris des filets de poulet. Comme ceci, j'en ai pris deux. Et je me suis pris deux avocats pour les salades, j'adore. Et je me suis pris du saumon, comme ceci, on adore. Et pour finir, j'ai fait un truc que j'avais jamais fait. Genre, depuis le temps que j'ai envie de m'acheter des plantes, je me suis enfin acheté des plantes vivantes, des vraies. Mais celle-là, c'est un peu cassé la gueule, mais j'ai pris ça. Trop bien, je suis trop contente. Et là ça venait avec. Du coup je pense que je vais le laisser là dedans parce qu'il y a déjà son pot. Je suis trop contente depuis le temps que j'en voulais. Ensuite j'ai aussi pris celle-ci par contre il va falloir que je cherche un cache pot. Bon voilà mon retour de course. Là je vais essayer de me faire à manger là avant de partir, avant de retourner au taf. Alors là ce que je vais faire c'est que maintenant j'ai tout étalé par terre, il va falloir que je range tout. Alors là, j'ai mes pâtes qui sont en train de cuire. J'ai rangé mes courses et après j'irai manger. Même tout à l'heure, j'ai oublié de vous dire. Alors, franchement, si vous ne voyez pas des choses basiques comme des oignons, de la tomate ou des condiments, des trucs comme ça, ça veut dire qu'en fait, j'ai déjà tout chez moi. Et que là, il faut juste que j'achète des choses que je n'ai pas en fait. C'est pour ça.
Donc, ne vous dites pas, ah, mais cuisine pas avec des oignons, des trucs comme ça. Je les ai déjà chez moi. Je n'achète pas, en fait, j'achète une seule fois. Ça me dure des mois et des mois. Donc, voilà, c'est pour ça. Là, je vais essayer de voir, en fait, dans mon appartement où je pourrais déposer mes plantes. Mais je pense que je vais le faire ce soir. Mais c'est comme je vous ai dit, ce vlog, je pense qu'il sera sur 2 jours. Alors, ok les gars, je viens de finir de manger. J'ai bien mangé, clairement. Je sais, c'était bien gras. Là, ce qui me reste à faire, c'est juste aller faire la vaisselle parce que, comme je finis à 18h30, c'est trop bien de finir à 18h30. Franchement, vous allez me dire, ouais, mais c'est tard. Pour moi, c'est très tôt. En tout cas, dans le taf où je suis, pour moi, je trouve que c'est tôt. Donc, c'est pour ça que je préfère faire la vaisselle maintenant. Et comme ça sera fait. Donc, c'est ce que je vais faire là tout de suite. Ok, j'avais déjà filmé ça, mais je sais pas qu'est-ce que ma carte mémoire elle a tout le temps s'arrêter. Donc je vous disais que du coup j'ai posé les plantes à côté de mon vase. Pour ceux qui ont déjà regardé mon ancien vlog, j'ai un vase super beau et je cherche toujours des plantes parfaites pour aller dedans. J'ai déjà une idée, mais je trouve pas du tout les plantes ici dans ma ville. Mais en tout cas, j'ai posé là, juste ici. J'aime bien, franchement, je trouve ça super beau posé sur le côté comme ça. Et l'autre, je l'ai posé là-bas pour l'instant. Je l'ai mis là parce que je ne sais pas du tout où le poser parce qu'il est tout petit. Vous voyez, il fait la taille de ma main limite. Il est vraiment tout petit et je n'ai même pas encore enlevé l'emballage. Je pense que je vais le faire là tout de suite. Ok, donc là, je vais bientôt aller au taf. J'ai juste changé de tête là. J'ai fait une queue de cheval. C'est bizarre d'ailleurs. Hello tout le monde, nouvelle journée, je continue le vlog que vous êtes en train de regarder. Aujourd'hui nous sommes le 2 octobre, si vous avez vu un laps de temps ou une transition chelou, c'est normal. C'est que hier j'ai filmé et je suis rentrée hier, il était pratiquement 20h, j'étais trop fatiguée. Clairement j'ai continué les courses que j'avais fait et je les ai même pas filmées. Et là ils sont encore dans leur sac tellement j'étais crevée les gars. Et là je vais vous les montrer tout de suite après. Mais en attendant, je suis maquillée, tout ça, parce que j'ai rendez-vous aujourd'hui. J'ai rendez-vous à 13h30. C'est pas loin de chez moi, donc c'est parfait. Par contre, je sais pas du tout si je garde, si je reste avec cette robe. Je vais vous la montrer, mais il fait tellement moche que je me dis qu'en fait, pourquoi j'irais me tuer dehors avec une robe. Il fait un temps de merde. Mais là, j'ai essayé de me maquiller un tout petit peu. J'ai mis un peu de blush, j'ai mis un peu de gloss, tout ça, parce que ça faisait très longtemps. Et franchement, j'étais à deux doigts de pas me maquiller pour ceux qui me suivent sur Instagram et qui regardent ce vlog. Et ensuite, j'irai vous montrer les courses, des dernières courses que j'ai fait hier, que j'ai terminé en gros, mais que j'ai pas filmé parce que j'étais trop fatiguée. Alors, pour la robe, j'ai juste mis en fait cette petite robe grise que j'avais achetée en fait au Pinky, je crois bien, si je dis pas de bêtises. Je l'aime beaucoup, mais je sais pas en fait, j'arrive pas à savoir si je peux sortir. Si je peux sortir avec. Alors ok, pour les courses, je vous les montrer rapidement. J'ai repris du jambon parce qu'il était en promo. Du coup j'ai repris du jambon et du maïs comme ça. J'ai pris de la compote de pomme. Oui, de la compote de pomme pour ceux qui savent. J'aime trop la compote de pomme. J'ai pris 2 trucs de bolo comme ça. J'ai pris 2 sachets de poivre d'œuf. Ensuite j'ai pris des sauces parce que j'ai pratiquement jamais de sauce chez moi, mais j'ai pris de la sauce sauce frite, j'ai pris sauce kebab et j'ai pris sauce samouraï. Ensuite j'ai pris des biscottes comme ça parce que je voulais les manger avec du beurre, mais j'ai pas pris de beurre finalement. J'ai pris 2 trucs de tomates et bien sûr j'ai pris du thon. Il me faut toujours du thon parce que je fais toujours mes salades avec du thon, donc j'ai pris du thon.
J'ai pris du miel. Bon, c'est pas celui que j'achète d'habitude. D'habitude, j'achète sur un gros pot. Et là, j'ai pris du miel sur un petit pot comme ça parce que j'ai déjà un petit pot comme ça. Je vais attendre que ça se termine et ensuite, j'en rachèterai le gros pot. J'ai pris des bananes avec des oranges. J'ai pris un truc de sardine à l'huile d'olive. J'ai pris du lait de soja. Et j'en ai profité pour en prendre au lait d'avoine pour voir si j'aimais bien ou pas. Et aussi pour finir, j'ai pris des jus d'orange comme je vous avais dit. En tout cas, voilà pour les courses. Voilà ce que j'ai fait hier soir quand je suis rentrée parce que j'ai pas pu filmer, j'étais trop fatiguée. Non, je pense qu'en fait je vais me changer, je vais aller mettre un jean et un pantalon, mais je vais pas garder la robe en fait. Et voilà comment j'ai fini par mettre un pull et un jean. J'aime bien les deux. En plus je mettrai une veste, donc voilà. Par contre j'ai oublié de faire un truc hier, j'ai oublié de retirer le petit plastique sur ma plante. J'étais tellement fatiguée que je suis rentrée chez moi pyjama, bim. Mais je vais faire ça tout de suite. J'ai oublié de retirer ce plastique sur ma plante. Et voilà ma petite plante. Il va falloir que je cherche un petit pot. Je vais aller voir aux Actions si je ne peux pas en trouver un. Déjà là, je vais aller au rendez-vous à 11h30. Alors, je suis retournée dans ma cuisine parce qu'il fallait quand même que je vous montre. J'ai mis mes lunettes. Désolée, ça vous fait un reflet, mais j'ai besoin de mes lunettes pour bien voir. Je suis retournée à ma cuisine parce qu'il fallait que je vous montre du coup mon frigo, mon placard, comment c'est bien plein. Alors, on va commencer par le haut de mon frigo. Là, vous voyez ça par exemple, je les ai achetés il y a quelques semaines et ils sont toujours là. Et là, du coup, j'ai mes trucs de céréales. J'en ai 3 paquets. Et dans mon frigo, comme vous pouvez le voir là, du coup, c'est bien rempli. Là, c'est parce que je vais le faire bientôt en fait. Là, du coup, mes jus que je bois tous les jours et encore ceux qui sont en bas. Là, j'ai tout mis aussi. Là, du coup, c'est plein aussi. Plein à craquer. Ensuite, là aussi, plein. Tatatat. Ensuite, là je ne vais pas vous montrer, mais sachez que c'est bien plein à craquer, clairement. Ensuite là, vous avez tout ce qui est eau, lait derrière, jus d'orange. Là vous avez mes épices, tout ça. Ensuite là vous avez tout ce que je laisse au sec, tout ce qui est là, tout ça. Là les compotes, le miel derrière. Les 2 pots de miel derrière, mes cracos juste là, tatatat, et ensuite on descend. Franchement, là c'est plein, j'ai plus de place du tout. Mais sachez que tous les pâtes que j'ai achetées sont derrière, plus ceux qui étaient déjà là. Le maïs, le thon, tout derrière aussi. Les pâtes, ça continue là, tomates, et là-bas vous avez tout ce qui est purée de pommes de terre. Vous avez vraiment tout ce qui est farine, tout ça, enfin vraiment la totale. Et là j'ai un petit sac de riz parce que je pense que je vous avais jamais montré, mais en tout cas voilà, je fais toujours les courses comme ça parce que ça me reste très longtemps et que moi je peux pas faire les courses par semaine, sinon ça me fatigue. Je préfère faire d'un coup, comme ça je reste tranquille pendant très très longtemps. Je peux aller jusqu'à un mois et demi vu que je suis toute seule, autant de finir en fait de manger tout ce que j'ai acheté. Je vais essayer de manger vite fait, je vais essayer de faire ça et ensuite go, j'y vais. Alors les gars, je viens tout juste de sortir de mon rendez-vous. Là j'ai mis le masque, il a niqué tout mon make-up, il a enlevé tout mon glow. Voilà, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais aller chez ma mère pour aller lui donner son jus d'orange qui est encore dans mon coffre parce que j'ai acheté hier. Ensuite je pense que je vais aller direction l'Action. Back to ya, I never knew how to
back to you, back to you, back to you. You say you love me when you are alone, but when you are fine, you don't need my love. I had to stop going back to you, back to you, back to you. I never knew how. Donc là, comme vous pouvez le voir, je viens juste d'arriver chez moi. Il est actuellement, vous voyez rien du tout, 16h13. Donc j'ai fait du coup quelques courses, je suis allée aux Action, ensuite je suis allée en magasin Leader Price, voilà, et après je suis passée à la pharmacie. Je me suis pris des faritas avec de la viande hachée et avec des frites. Ensuite j'ai pris un petit vase comme ça aux Action. Ensuite bien sûr pour faire des tacos, il me fallait bien sûr acheter le truc à tacos. Là comme ça. Ensuite à la pharmacie, j'ai pris, je le vois passer partout, j'ai pris en fait ça, c'est une mousse, un gel moussant pour les peaux normales à grasse. Je vois tout le monde en fait en parler en ce moment. Et ensuite j'ai pris la crème qui va avec, crème lavante hydratante. Donc là je vais ranger tout ça et ensuite je pense que je vais me démaquiller complètement. Oh non, il s'est brisé. Il est tout brisé. C'était avec ça. Comme ça, c'était trop beau. Trop magnifique. Et après ça, ça c'était pour poser dessus, comme ceci. Trop beau, mais il s'est brisé. Je sais pas si il était déjà brisé en magasin ou pas. Parce que si je le ramène, ils vont me dire oui, mais on ne sait pas si c'est brisé chez vous. Si vous ne voyez pas, mais il est totalement brisé. Regardez. Là, il est brisé. Bon bah voilà, je vais essayer de voir si je peux pas le ramener. J'ai vraiment pas le choix parce que je peux pas garder un vase pété comme ça. Non, c'est pas possible. Bon. Hello, nouvelle journée. Encore une fois, je sais, c'est bizarre à chaque fois, c'est une nouvelle journée. Mais sachez qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour du vlog. Voilà. Mais en fait, je prends ce vlog aussi parce que je vous ai pas du coup dit ce qui s'est passé hier. Alors hier, finalement, je suis sortie pour aller en fait échanger le vase qui était cassé chez Action. Mais clairement, je vais pas vous mentir. Mais j'étais dans ma voiture, je roulais pour y aller. Et en fait, je suis restée dans les bouchons pendant au moins 30 minutes. Et je me suis dit, non, Marie, vas-y pas, c'est bon, laisse tomber. C'est un vase qui t'a coûté 3 euros. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait demi-tour, je suis rentrée chez moi. J'aime trop mon make-up. Waouh. I like it. J'adore. Bon. Je pense que je vais vous reprendre plus tard. Mais en tout cas, je suis contente quand même de continuer ce vlog aujourd'hui. Voilà. Je suis rentrée chez moi. Là, j'ai une tête de fatiguée. Il est clairement 3h du matin. La soirée s'est bien passée. Je suis même rentrée avec des noodles épicées. Et j'en ai pris 2 paquets. Parce que du coup, c'est une collègue à moi. Elle a des, elle est fan un peu de tout ce qui est coréen, tout ça. Du coup, elle en avait. Elle m'en a donné 2. Du coup, je vais essayer de convaincre ma soeur de faire le challenge Spicy Noodle Challenge avec moi. Là, je vais arrêter ce vlog-là. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Je sais que c'est un vlog un peu farfouillé. Je suis pas contente de vous avoir montré cette petite vidéo de moi. Encore une fois, un petit vlog.
qui plaît à certaines personnes. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, activer la cloche de notification pour savoir quand est-ce que je poste une nouvelle vidéo, et également allez me suivre sur Instagram et sur Snapchat que je vous laisse quelque part par là. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Jusqu'ici, prenez soin de vous, paix et amour sur vous les gars. Ciao. Et moi je vais aller dormir.